comment je sors? Est-ce que j'ai assez de place pour faire un autre cube de glace? Question. Ah bah ça a disparu. Hey, oh, calme. Dégagez! Non, il n'y a pas un petit coffre. Maxence. Ah, j'étais persuadé que tu aurais eu un truc. Je sais pas, j'ai perdu. J'irai vérifier après.
Non, ça fait rien. D'habitude, à chaque fois qu'il y avait un truc comme ça, il y avait un Kourougou dans le coin. On voit pas ce coup-ci. Par les yeux lumineux, par la nuit de la statue maléfique, devant toi s'ouvrira la voie de l'épreuve secrète. Le quoi? Perce les yeux illuminés par la nuit de la statue maléfique, devant toi s'ouvrira la voie secrète. Je suis sûr que c'est par ici. Que fais-tu? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, je vois, t'as deviné que j'étais le grand archéologue Kali, t'as décidé de m'accoster. Comment ça, tu ne connais pas Kali? L'illustre Kali qui a dévolu son existence à l'étude des sanctuaires antiques? C'est une occasion inespérée, tu peux te contenter de retirer mon nom pour commencer. Enfin non, surtout, ne m'appelle pas Kali, appelle-moi maître. Personne ne m'a jamais appelé maître. Ah non, mais au-dessus des piliers comme ça, il y a toujours un coffre. Bon, je suis en train de réaliser un texte antique particulièrement retors, figure-toi. Alors, si tu veux quelque chose, il faudra repasser plus ça. Un texte ancien? Après toutes ces années de recherche, voilà que je m'apprête à faire la découverte du siècle. Tu comprends bien que je n'ai pas envie qu'on me la vole. Je n'ai même pas. J'en ai même pas parlé à ma famille. Je vois, maître. Maître. Ai-je bien entendu? Tu m'as appelé maître? Et tu l'as fait spontanément comme si ça venait du cœur? Bon. Très bien. Tu m'as mis de bonne humeur, alors je veux bien te dire de quoi il en retourne. Mais t'as intérêt à tenir ta langue. Oui, ça tu l'as déjà dit. C'est le texte sur lequel je concentre toutes les formidables ressources de mon esprit supérieur. Un néophyte tel que toi ne risque pas d'y comprendre quoi que ça, mais j'espère que tu es content maintenant. Voilà quoi je passe mes nuits, le jour, je fais des fouilles sur le terrain. Reste là, je n'ai pas de minute à moi. Alors, au revoir. C'est tout? Bah, il faudrait déjà que je trouve le truc. Ah merde, j'ai. Pourquoi tu veux que je fasse exploser des arbres? Je crois que je vois ton idée. Non, la cabane est plus résistante. À mon avis, c'était ça ton idée. De faucher la cabane avec un arbre. Non, tu m'as pas vu.
Voilà. C'est tout à fait ça. Comment il l'a volé celui-là? Comment il a volé jusqu'à moi? Reparc. Tu viens juste de voir un mob, tu viens juste de louper un mob faire un putain de vol plané. Merci pour la flèche. Oh non, c'est la nuit noire. C'est la lune de sang. Ah oui. C'est vrai, j'ai renommé mon cheval. Bah. J'aime bien la musique, mais bah. Allez, respawn de masse. Et ça fait respawn les mobs qu'il y a derrière moi ou pas? Ah bah oui, ils ont respawn. Ouais, ça sert à rien, je peux pas escalader jusque-là. Bon. Oh oui, c'est génial ça, je peux le prendre en pleine course. Oh, mais c'est génial ça! Le mec, pendant qu'il est en train de courir. Qu'est-ce qu'il a pleuré? Qu'est-ce qu'il y a? Si, je veux. Tu veux quoi? Du saumon grillé, hein? Et aussi la vie du héros. Ah non, mauvaise arme. Pourquoi ça ne marche pas avec lui les esquives? Ça fait chier, les esquives ça fonctionne pas avec cet enfoiré. Ouais, il est mort, Link Loup, en même temps. Il a été tué par une sentinelle de Ganondorf. Ah, je vois un sanctuaire de là.
Ah, mais... Mais viens là, toi! Oups! Wouhou! Bon. Comment je suis j'ai cette arme de merde? Non. La princesse Zelda existait. Non, je suis pas allé au château pour le LOL. Non, j'y suis pas allé. C'est l'autre que je suis prendre, moi. Ah bah avec lui ça marche au moins. Sauf que j'ai plus d'armes. Bon, je vais pas déjà dans la bonne direction, j'ai envie de te dire. Link le ménageur. Mais je t'ai pas dit de foncer. Mort par nettoyage extrême. Oh merde, j'ai tapé mon cheval. Merde. Désolé, gamin. Rip le cheval.
Ouais, on va pas aller là. Faut que j'aille là-bas. Tiens, ça, c'est un vendeur, ça. Qu'est-ce qu'il peut bien vendre? J'ai jamais eu de lait. Allez, je te prends tout. Oui, les chevaux peuvent mourir. S'ils prennent trop de dégâts, ils peuvent mourir. Vite, avant que tu te fasses attaquer. Ah, un sanctuaire à proximité. Comment j'ai foutu un PNJ à l'entrée? Il doit y avoir un sanctuaire dans cette zone. Qu'est-ce que tu vends, toi? Oh, des flèches! Ah non, merde. Oui, pourquoi je peux rien acheter? Ah non, il y en a un peu de trop pour que je puisse acheter tout au stock. Qu'est-ce qu'ils vendent niveau vêtements ici? Ah, des armures en plate, 200 rubis, 250. Pas intéressant. Ah. Je me débrouille. Ah bah j'en ai pas. Non, j'ai plus d'argent, non. J'ai tout dépensé. Je voulais mettre en noir, mais...
Bon, où est le sanctuaire? Un coiffeur. Ah, je savais bien qu'il y aurait un coffre qui traînerait. Faut que je retrouve un rocalite là. Pour me faire du fric, faut que j'aille voir retrouver un qui traîne et le tuer si je veux me faire du fric. Allez! Link n'a pas besoin de maison. La nature est sa maison. Bon, où est ce putain de sanctuaire? Sur les jumpers, arrête de faire n'importe quoi! Il bip par là. Il est en ligne droite à partir de là où je suis. Sanctuaire. À moins qu'il soit au sommet de cette montagne. Non, il n'y a plus de réaction. Où est ce sanctuaire? Bon. Quand tu veux, t'essayer de galoper, toi. Mais si, tu peux le faire. Oh, putain. Pourrit-il ce cheval? Regarde, moi j'y arrive à le faire. Bon, on va quand même prendre le cheval parce que ça a 3 plombes. Bon, ce cheval commence à m'énerver.
Non. Non, y'a rien, j'ai juste des arbres avec plein de pommes. Je pensais qu'il y aurait eu un truc. Arrête de te stopper pour rien, s'il te plaît. Bon, maintenant j'essaie de repérer où il y avait un sanctuaire. Bon, j'ai plus de réaction, donc ça sert à rien. Je pense pas, non. Aucun souvenir. Ou bien semblant. Carrément. Bien sûr que non.
Le seul problème, c'est que j'ai plus de torches. Il me faudrait une torche si je veux pouvoir allumer. Ah! Sans torche, ça va être très dur. Ouais, il n'y a pas de torche. Comment je fais? Sérieux, vous avez pas de torche? Comment je fais, moi? Sans torche. Non, il faut des flammes bleues. Il faut une flamme bleue. Il y a un kourougou là-dessus. Bingo. Pour avoir un rocher dissimulé comme ça, et ça peut être qu'un kourougou. Non, pas du tout. J'en ai pas beaucoup subi. Sanctuaire à proximité. Attends. Et salut à toi, Personatus. J'ai trouvé le sanctuaire. Alléluia. Bon, ah bah j'étais pas venu faire ça, mais bon. Depuis tout à l'heure, je le cherche, cet enfoiré de sanctuaire. Ça m'énerve d'entendre le bip. Mayagana. Tu peux demander à Lufinia, qui est là depuis un bon moment. J'ai pas trop lagué. Ça va être quoi le défi ici? Ok, d'accord. Je vois le genre. Oups. Bon, ça va pas être facile là. Ça va demander du doigté de la précision avec le gyroscope.
Non, mais... Il va être chiant, ce sanctuaire. Je le sens. Voilà, ça va être moins chiant comme ça. Dommage. Oups. Allez, redescends. Oh, putain, c'est pas facile cette merde. Même en essayant de tricher, j'y arrive pas. Ah putain, enfin réussi. Non, j'ai un peu trop abusé là. Il est chiant celui-là. J'espère que ce qu'il y a dans le coffre, ça vaut le coup. Bâtard. Pas assez bas. J'ai pas assez penché le truc. J'ai pas pu monter. Ah si. Juste moi qui me suis fail. Ouais, c'est cool. Attends, non. Rien à foutre. Il était chiant, leur truche. C'était chiant de passer par les barreaux. Alors, j'y suis allé au plus simple. Bon, dans tout ça, il me faut toujours une torche. Cool, je vais pouvoir reprendre un cœur de vie. Salut, blabla. Couper un arbre me donne... Ça me donne des fagots de bois, pas des... Ouais, le finir, ouais, c'est un bon truc pour speedrun. Non, couper du bois, ça me fait juste des fagots, ça me fait pas une torche, malheureusement. Pas une qui me traite dans le village de torche. Oh, cool, flèche en bois. Je cherche une torche. Nous demandons une torche à l'accueil.
Une torche. Il y en a peut-être une près du feu, j'espère. Dites-moi qu'il y a une torche juste à côté du feu. Bon, ah, pas de torche. J'ai pas une arme qui pourrait s'enflammer. Nope. Bon, je fais comment? J'ai pas de torche, il faut que j'amène ce feu. Mouais. Bon. Personne n'a une torche qui traîne. Fourche, c'est pas ce que je cherche. Une houe non plus. Je veux une torche. Oh bah tiens. Une déesse, tiens, je vais me rajouter un cœur. Bon, à la base, c'était pas ça que j'étais venu chercher. Je cherche une torche. Une torche. Dites-moi que c'est une... Ah non, c'est un gecko. Putain, je pensais que c'était une torche. Personne n'a une fucking torche. Seriously? Torche d'épée, une torche. Bon, souvent près des trucs à plat comme ça, il y a une torche. Dites-moi qu'il y a une torche qui traîne pas loin. Eh ben non, il n'y a pas de torche, bien sûr. Bon, je fais comment, moi? Oh, le balai peut prendre feu. Peut-être que le balai pourra prendre feu. Avez-vous une torche dans votre baraque? Non. Bon, bah, on va tester avec ça. Hein. Putain, quoi, il me manque juste un item, c'est une putain de torche. J'avais une torche avant dans le temps, mais je l'ai jetée pour ma baguette de feu. Ouais, mais quand je vais essayer de te faire chier. Oui! Le balai peut servir de torche! Oui! Alléluia!
Il y a toujours une solution. Et pour tout le reste, il y a Euro Mastercard. Bon là, je me suis planté de chemin là. Merde, ils sont où les autres Les autres lampadaires? Attends, où est le prochain lampadaire? Ah, il est là-bas. Je l'avais pas vu. Ça fait peut-être un truc d'allumer tous les lampadaires, donc... Torche nouvelle génération. Là tu peux pas sprinter sinon ça range la torche. Du moins le balai torche. Là. Tout 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 tout. Je me suis gouré de chemin, à mon avis, là. Ouais. Là aussi, je me suis gouré de chemin. Tu aurais cru qu'un jour un balai serait aussi utile. Loué soit les... Balai. Voilà, on peut jeter cette arme de mer maintenant. Héros du balai de feu. Link et la coupe de feu. Oui, Stiki. Elle m'a attendu 100 ans, elle pouvait bien attendre 2 secondes de plus. Et maintenant, il va falloir que je prenne tout en photo. Il va falloir que je prenne tout en photo, vu que je fais le jeu à 100%. Je déteste les quêtes de photographie. Ça n'a pas fonctionné. Je vais apprendre les animaux, les ennemis, les aliments, les armes.
Ouais. Ça va être pète-couille cette quête. Ça va les chevilles là? Voilà les matériaux. Ha ha ha.